tortue imbriquée, également connue sous le nom scientifique Eretmochli imbricata, est une espèce de tortue marine qui se distingue par sa carapace unique et son mode de vie océanique. Voici une description de la tortue imbriquée. Apparence, la tortue imbriquée est de taille moyenne parmi les tortues marines, mesurant généralement entre 60 et 100 cm de long et pesant entre 40 et 70 kg. Ce qui la rend spéciale, c'est sa carapace. Contrairement aux autres tortues marines, la carapace de la tortue imbriquée est composée de plaques osseuses imbriquées les unes dans les autres, d'où son nom. Cette structure unique lui confère une grande résistance et flexibilité, ce qui est adapté à son mode de vie dans les récifs coralliens. Coloration. La carapace de la tortue imbriquée est généralement de couleur brun foncé à noir, avec des motifs de taches claires. La couleur de sa peau varie du blanc au jaune pâle. Les jeunes tortues imbriquées ont souvent des motifs plus contrastés et colorés sur leur carapace. Conservation. La tortue imbriquée est une espèce en danger critique d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, en raison de la chasse illégale pour sa carapace, l'exploitation de ses œufs, la perte d'habitat et les prises accidentelles dans les filets de pêche. Des mesures de conservation sont mises en place pour protéger les tortues imbriquées, notamment la création de réserves marines, la sensibilisation du public et la réglementation de la pêche. Habitat, les tortues imbriquées se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales de tous les océans, bien qu'elles soient plus abondantes dans les zones près des récifs coralliens. Elles migrent souvent sur de longues distances entre leurs aires d'alimentation et leurs sites de nidification. Comportement, les tortues imbriquées sont des créatures marines migratrices. Elles parcourent de grandes distances pour se nourrir et se reproduire. Elles sont connues pour leurs plongées profondes et leur capacité à rester longtemps sous l'eau. Les tortues imbriquées sont également grégaires, ce qui signifie qu'elles peuvent se rassembler en groupe dans certaines zones d'alimentation. Production, les tortues imbriquées atteignent leur maturité sexuelle entre 20 et 30 ans. Les femelles retournent sur les plages où elles sont nées pour pondre leurs œufs. Elles creusent un nid dans le sable et y déposent une centaine d'œufs en moyenne. Les œufs éclosent après une incubation d'environ 2 mois, et les petits se fraient un chemin vers la mer. Le sexe des tortues imbriquées est déterminé par la température d'incubation des œufs. Thank you.
Adaptation anatomique. La tortue imbriquée possède des adaptations anatomiques qui lui permettent de vivre dans les récifs coralliens. Ses membres antérieurs se sont transformés en nageoires puissantes et effilées pour la propulsion dans l'eau. Les écailles de sa carapace imbriquée lui offrent une protection contre les prédateurs et les chocs éventuels. Migration. Les tortues imbriquées effectuent souvent de longues migrations entre leurs aires d'alimentation et leurs sites de nidification. Elles peuvent parcourir des milliers de kilomètres pour trouver les conditions idéales pour se nourrir et se reproduire. Certaines tortues imbriquées ont été observées migrer entre les océans Atlantique et Indien. Nidification. La nidification des tortues imbriquées se produit généralement la nuit, sur des plages de sable. Les femelles creusent un nid dans lequel elles déposent leurs œufs, puis elles les recouvrent soigneusement de sable. Après la ponte, les femelles retournent à la mer, laissant les œufs se développer seuls. La température d'incubation des œufs détermine le sexe des tortues. Menaces. Les tortues imbriquées sont confrontées à de nombreuses menaces qui contribuent à leur statut critique d'extinction. La principale menace est la chasse illégale pour leur carapace, qui est utilisée pour fabriquer des objets artisanaux. Les tortues imbriquées sont également victimes de la perte d'habitat due à la destruction des récifs coralliens, à la pollution marine et aux prises accidentelles dans les filets de pêche. En apnée, les tortues imbriquées sont des plongeuses compétentes et peuvent rester sous l'eau pendant de longues périodes. Elles peuvent plonger jusqu'à des profondeurs de 100 à 200 mètres à la recherche de nourriture. Leur capacité à retenir leur respiration pendant de longues périodes est due à des adaptations physiologiques, telles que la capacité de stocker de l'oxygène dans leurs tissus et de ralentir leur métabolisme lorsqu'elles sont en plongée. Longévité. Les tortues imbriquées ont une longévité relativement longue. On estime que leur espérance de vie peut atteindre 30 à 50 ans, voire plus dans des conditions favorables. Cependant, en raison des menaces auxquelles elles sont confrontées, de nombreux individus ne vivent pas jusqu'à leur plein potentiel de longévité. Culturel. Les tortues imbriquées ont une signification culturelle et symbolique importante dans de nombreuses régions du monde. Elles sont souvent vénérées et considérées comme des symboles de longévité, de sagesse et de fertilité. Dans certaines cultures, les tortues imbriquées sont associées à des légendes et des croyances traditionnelles, et leur protection est intégrée aux pratiques culturelles locales.
recherche scientifique, les tortues imbriquées sont étudiées de près par les scientifiques et les chercheurs pour mieux comprendre leur biologie, leur comportement, leur écologie et leur migration. Les études sur les tortues imbriquées contribuent à développer des mesures de conservation plus efficaces et des stratégies de gestion des populations. Écotourisme. Les tortues imbriquées sont également une attraction majeure pour l'écotourisme dans certaines régions du monde. Les visiteurs ont l'occasion de les observer lorsqu'elles se nourrissent ou lorsqu'elles viennent pondre sur les plages de nidification. L'écotourisme bien géré peut apporter des avantages économiques aux communautés locales tout en favorisant la conservation des tortues imbriquées et de leur habitat. La tortue imbriquée est une espèce fascinante et vulnérable qui joue un rôle crucial dans les écosystèmes marins. Elle est à la fois une icône de la biodiversité marine et un indicateur de l'état de santé des récifs coralliens. La protection de cette espèce emblématique est essentielle pour préserver l'équilibre des écosystèmes océaniques.